What's up les potes, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous en ce moment avec Lady c'est un petit peu compliqué, on est en plein déménagement, il y a de la peinture à faire, tout ça, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il y a peu de vidéos qui sortent ces derniers jours, j'ai réussi à me libérer un petit peu en ce dimanche pour vous faire une vidéo. Et je pense que les prochaines viendront qu'en milieu de semaine, mercredi à mon avis, pas avant, voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé dans cette vidéo tout simplement de vous faire une ouverture de colis de Varix, tout simplement parce que j'ai fait la prison des vétérans la semaine dernière, je l'ai fait plusieurs fois, donc il me semble, voilà, je peux en ouvrir 4. Donc j'en ouvrir 4. Alors il faut savoir qu'en fait moi j'achète jamais chez Varix, hormis les armes si elles sont intéressantes. Mais les équipements en fait je les trouve vraiment pas. Enfin vous voyez, il y a beaucoup de force. C'est vraiment pas intéressant, je trouve. Moi je préfère avoir pas mal de discipline. Voilà, dans mes équipements. Donc ouais, allez, c'est parti. On va ouvrir le premier. Hop, l'aise des loups. Alors je vais vous le montrer. Je l'ai déjà, il me semble. C'est un fusil d'éclaireur. Voilà, un fusil d'éclaireur. Alors si vous enchaînez rapidement des tirs de précision réussis, une balle revient dans le chargeur. Et cette arme inflige des dégâts supplémentaires modérés au vandal déchu. Voilà. Donc je pense que ces armes vont devenir intéressantes, notamment parce que maintenant, sur Skolas, il n'y aura plus de dégâts. Donc je pense que ces armes vont être plutôt intéressantes à jouer au niveau de Skolas. Allez, c'est parti, on va ouvrir le deuxième colis. Alors moi j'aimerais vraiment avoir des armures de préférence. Ah! Le casque, alors je n'avais pas, je l'avais pas acheté tout simplement pour la raison que je vous avais dit. Et là, vous voyez, intelligence et discipline, et ben c'est parfait, vous voyez bien. Je vais l'équiper, c'est impeccable, voilà, j'ai de l'intelligence, voilà, vous voyez. Moi, je vous conseille, les gars, de ne pas acheter les équipements parce que la semaine dernière, le casque n'avait que de la force. Là, vous voyez, je me retrouve avec un casque plutôt intéressant avec l'intelligence et de la discipline. Alors, il améliore grandement la régénération et la recharge du super quand vous combattez des cabales dans la prison des vétérans. Alors, voilà, il est plutôt utile contre les cabales. J'aurais préféré quelque chose d'utile contre la ruche, contre les déchus, mais bon, c'est pas grave, je prends toujours. C'est plutôt intéressant. Allez, on va ouvrir le troisième colis de Varix. Hop, le torse sang du chasseur de cales. Alors, je l'avais déjà, mais vous voyez, celui qu'il y avait était plutôt utile contre la ruche. Et celui-ci, contre les Vex, et ben vous voyez, c'est plutôt pas mal. Alors je pense que, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, il faut vraiment regarder les spécificités des différents équipements. Tout simplement parce que vous pouvez les utiliser dans différentes salles de la prison des vétérans. Voilà, allez, c'est parti, je vais ouvrir mon dernier colis. Hop, le tout dernier colis. Et Égide Ducal. Alors cette arme, je l'avais déjà, je l'ai aussi en dégâts cryoélectriques, je l'avais looté. Donc sur Skolas. Enfin voilà, je suis plutôt content, j'ai eu des armures assez intéressantes. Voilà, je vais les garder. Je vous conseille, hein, comme je vous le disais, de vraiment regarder les spécificités de vos armures car elles sont utiles contre différents ennemis, donc de la prison des vétérans. J'espère que cette vidéo vous a plu, les potes. N'hésitez pas à la partager, à liker, à laisser un commentaire comme d'habitude. Les commentaires, je les lis directement sur mon téléphone portable. Donc vous inquiétez pas, je les vois. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss!